Bonjour mes élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va prendre ensemble une T1, programme de la semaine. Slide numéro 1, on va prendre ensemble les jours de la semaine. On a 7 jours par semaine. Alors, on commence ensemble. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ça va? Alors, on a 7 jours par semaine. Slide numéro 2, on a les 12 mois de l'année. Les 12 mois de l'année. On commence ensemble. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, on a 7 jours par semaine et 12 mois dans l'année. Slide numéro 3, on a avant et après. Alors, avant, c'est-à-dire before. Après, c'est-à-dire after. Une autre fois, avant, c'est-à-dire before. Après, c'est-à-dire after. Ça va? Slide numéro 4, on a les monuments de la France. Quels sont les monuments de la France? On a par exemple la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Alors, ce sont les monuments de la France. Slide numéro 5, on va faire l'exercice ensemble. Numéro 1, complète les phrases. Numéro 1, avant jeudi, before, avant jeudi, c'est mercredi. Après samedi, after, après samedi, c'est dimanche. Numéro 3, avant avril. Avant, c'est-à-dire before, avant avril, c'est mars. Avant octobre, c'est septembre. Numéro 5, les monuments de France sont... Quels sont les monuments de France? On a par exemple la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Ça va? Slide numéro 6, exercice numéro 2, observe et complète. On va compléter avec avant, before, après, after. Numéro 1, point mardi, c'est lundi. Alors, avant mardi, c'est lundi. Numéro 2, avant avril, c'est mars. Numéro 3, après novembre, c'est décembre. Numéro 4, après vendredi, c'est samedi. Numéro 5, après décembre, c'est janvier. Alors, avant, c'est before, après, c'est after. Alors, merci pour vous, mes élèves, et au revoir.